Parce que les femmes, même dans leur nature, ne veulent pas ça. Claire. Elles veulent un homme qui est au-dessus d'elles, qui prend soin d'elles. C'est ce que les femmes veulent. Et quand tu es au-dessus, elles te poursuivent. Si tu te retrouves à poursuivre une femme, c'est que tu n'as pas de valeur. C'est que tu ne veux pas travailler. Sinon, les hommes qui travaillent sérieusement, qui prennent leur travail au sérieux, les femmes courent derrière eux. Comment ça va, les gars? La raison pour laquelle tes relations passées ont échoué, je ne sais pas si jusqu'à présent tu te rends compte, mais c'est toi-même. La raison pour laquelle tes relations passées ont échoué, c'est toi-même, frère. La raison pour laquelle tes relations passées ont échoué, c'est parce que tu ne laisses pas les femmes te choisir. Claire. C'est la vraie cause de tes échecs avec les femmes, là. C'est ça. Tu veux pas laisser les femmes te choisir. Elle est belle, oh. Je l'aime. Je vais lui prouver mon amour. C'est le problème qu'elle a. Quoi, ça a fini par s'en aller. Parce que tu n'es pas son premier choix. Vous savez, il y a des personnes qui commentent que non, j'ai dragué une femme et on est ensemble, ceci, cela. Mais je regardais une vidéo qui disait la dernière fois, il y a une femme qui disait à son mari, ça fait 10 ans ensemble. Elle disait, comme ça que genre, son mari n'était pas son premier choix. Elle disait ça à la télé. Son mari n'était pas son premier choix. Elle aime son mari. Elle a appris à s'attacher à lui. Mais ce n'est pas son premier choix. Claire. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que quand une femme vient vers toi, quand une femme te montre qu'elle te veut, quand une femme t'apprécie vraiment et que tu te mets en relation avec elle, c'est les meilleures relations, les gars. Quand une femme est fond de toi, elle-même, elle vient te montrer qu'elle est fond de toi. Elle vient te montrer qu'elle te veut. Elle court derrière toi. Elle te veut. C'est les meilleures relations. Ce genre de relation, la plupart du temps, ça dure tellement que souvent même, ils se marient qu'ils restent ensemble. Parce que tu étais le premier choix de la femme. C'est la femme qui t'a choisi. Elle est venue vers toi. Elle dit qu'elle te veut. Elle a tout fait pour te gagner. Quand c'est comme ça, la femme t'aime à un haut point. Parce qu'elle s'est battue pour t'avoir. Elle a investi pour t'avoir. Quand c'est comme ça, la femme te veut, elle veut te garder. Elle sait quel effort elle a fourni pour t'avoir. Mais dans cette société-là, avec ce qu'on t'a appris là, tout à l'envers. Qu'est-ce que toi tu fais? Je l'apprécie, je vais l'envoyer au restaurant. Je l'apprécie, je vais lui acheter des cadeaux. Je l'apprécie, je vais faire telle et telle chose pour elle, même si c'est à mon détriment, même si c'est en me mettant mal à l'aise, c'est pas grave. Il faut que son bonheur vienne avant le mien. C'est ça qui fait que la femme s'en va. Parce que la femme n'aime pas les hommes qui la mettent sur un piédestal. C'est pas, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Quand tu commences à mettre une femme au-dessus de toi, elle n'aime pas être quitte. La femme veut pas que tu la mettes au-dessus de toi. La femme veut que tu sois au-dessus d'elle. La femme veut que tu sois au-dessus d'elle. Ça n'a pas de sens. Aucune femme ne vient me raconter sa vie ici. Parce que c'est écrit dans la Bible que l'homme est le chef de la femme. C'est écrit dans les livres, c'est que l'homme doit diriger sa femme. C'est écrit dans aucun livre que non, la femme doit diriger son homme ou bien une femme doit être au-dessus de son homme. C'est écrit dans aucun livre. Si c'est un livre, si tu as vu ça dans un livre, déchire ce livre-là rapidement et brûle-le. Parce que les femmes, même dans leur nature, ne veulent pas ça. Claire. Elles veulent un homme qui est au-dessus d'elle, qui prend soin d'elle. C'est ce que les femmes veulent. Et quand tu es au-dessus, elles te poursuivent. Si tu te retrouves à poursuivre une femme, c'est que tu n'as pas de valeur. C'est que tu veux pas travailler. Sinon, les hommes qui travaillent sérieusement, qui prennent leur travail au sérieux, les femmes courent derrière eux. Les femmes les poursuivent. Les femmes leur montrent de l'affection. Les femmes sont là pour eux. Et dans ces femmes-là, ils choisissent, en fait, celles qui montrent plus d'intérêt, celles qui montrent plus d'affection, celles qui a plus de valeur, celles qui apportent plus de valeur à sa vie et il apprend. Elle va pas l'emmerder. Parce qu'elle sait comment elle a fait pour l'avoir. Elle sait comment il y a plein de femmes autour de lui et que si elle s'amuse, il va partir. C'est son désir premier. Elle le veut sexuellement, elle le veut. Claire. C'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. C'est quand la femme veut quelque chose comme ça et que toi, tu finis par dire, bon, il n'y a pas de problème, je t'accepte. Là, elle sait très bien que tu peux trouver mieux qu'elle, mais tu l'as accepté. C'est une faveur que tu lui fais. Elle ne s'amuse pas avec cette faveur-là. Comprenez la vie, les gars.
à chaque fois que les femmes, à chaque fois que moi il y a eu des relations et que ce sont les femmes qui m'ont cherché comme ça, c'est les relations qui ont le plus duré où les gars m'ont pas fait chier. Effectivement. Les gars m'ont pas fait chier. Quand j'ai rentré à l'université, il y a une go qui courait derrière moi comme ça. Pendant comme elle était, elle courait derrière moi. Elle partait tout. Jusqu'elle envoyait ses amis pour me demander pardon. Ah, moi, elle veut rester avec toi, elle veut rester avec toi. Elle la faisait tourner seulement. Et si elle restait là pendant 3 ans et demi. Trois ans et demi. Elle sait comment elle a fait pour m'avoir. Donc là, elle ne peut pas s'amuser avec ça. C'est comme ça. Et les femmes comme ça ne te font pas chier. Confirme. Les femmes comme ça ne te font pas chier. Puis tu es le désir premier. Elle est désir premier, elle te veut, elle veut être avec toi, elle aime ton énergie. Tu vas pas chercher en fait sa coopération. Et tu m'as pas appelé aujourd'hui. Et aujourd'hui, non. Elle va tellement t'envoyer des messages pour savoir où tu es que toi-même tu vas avoir mal à la tête. Elle t'apprécie. Elle t'apprécie. Elle va tellement prendre tes nouvelles que tu as trouvé qu'elle est chiante. Elle t'apprécie. Elle va toujours préparer pour toi sans que tu lui dises que prépare pour moi. Elle t'apprécie. Quand elle va venir chez toi, elle va nettoyer ta maison sans que tu lui demandes. Elle t'apprécie. Quand elle va venir chez toi, elle va ranger ta chambre sans que tu lui demandes. Elle t'apprécie. Quand elle va voir que ah, mon mari n'a même pas d'argent, elle va enlever l'argent pour te donner sans que tu lui demandes. Elle t'apprécie. Vous fatiguez. Vous cherchez. Vous allez vous rabaisser pour avoir la coopération d'une go qui ne peut rien créer. Effectivement. Et moi, soyons des garçons. Soyons des garçons. Personnellement, ils ne respectent pas les hommes qui sont là à courir derrière les femmes dans la rue. Ils ne respectent pas ça. Ils respectent les gars que voient matin. Ils sont en train de conduire en taille sans chercher l'argent. C'est eux, moi, ils respectent. Sinon, les gens qui sont en train de courir derrière les femmes, elle, il est blagué. Faut blaguer les clients qui avoir l'argent. Claire. Les femmes qui blaguent. Les femmes sont les êtres les plus faciles à blaguer. Les femmes, les enfants, c'est les êtres les plus faciles à blaguer, les êtres les plus faciles à embobiner. Si tu veux sonner les femmes, tu as les sonner. Ça, c'est très simple. Mais est-ce que c'est une femme qui t'a choisi? Sinon, le truc le plus facile là, c'est de sonner une femme. C'est de sonner une femme. Tu peux tourner les films, tout ça, c'est de sonner une femme. Mais c'est garder femme là, c'est ça qui est difficile là. Est-ce que tu peux rouler? Est-ce que tu peux rouler? Parce que quand tu forces pour obtenir une femme, quand tu l'envoies dans les dîners, quand tu l'envoies dans les trucs, chers pour avoir son amour, tu veux acheter son amour, est-ce qu'elle te dit bon d'accord, je te vends mon amour, et puis elle te vend son amour. Il faut que tu continues. Il faut que tu continues à acheter son amour. Il faut que tu continues. Elle va mettre le prix. Vous avez commencé à peut-être 100 000. Après, elle va augmenter ça à 200 000, 300 000, 400 000 dollars. C'est elle qui décide du prix. Claire. C'est elle qui décide du prix. Si elle trouve un gars qui offre plus que toi, elle lui offre ça. Et puis toi, tu es aux oubliettes, frère. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ça, il dit, laissez les femmes vous choisir. Laissez les femmes, à chaque fois que tu as laissé les femmes te choisir, tes relations seront fluides. Parce qu'il n'était pas appelé, tu es venu. Donc, ce qu'il te demande de faire, tu as fait. Et c'est ce qui est normal. Parce que c'est toi qui viens dans ma vie. Moi, je ne viens pas dans ta vie. Toi, tu as quelle vie? Effectivement, tu as quelle vie? Toi, tu as quelle vie? Toi, tu peux créer quoi pour moi, me donner? Tu peux me mettre dans la maison. Tu peux payer une voiture pour moi. Tu peux me donner à manger. Tu peux pas faire ça. Mais moi, je peux te donner à manger. Je peux te mettre dans la maison. Je peux te payer une voiture, t'as roulé. Claire. Je ne peux pas courir derrière toi. Je ne peux pas courir derrière toi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mon frère. Ça n'a pas de sens. Arrêtez ça, c'est insensé. Illogique, irrationnel. C'est insensé. Mais moi, je peux changer la vie d'une femme. Claire. Je peux changer la vie d'une femme. Tu peux changer la vie d'une femme. Même si tu es pauvre, il faut savoir que si tu travailles, tu peux changer la vie d'une femme. Un garçon ne poursuit pas femme. Claire. L'hymne national, répète-moi. Un garçon ne poursuit pas femme. Merci, thank you, my guy. Voilà. C'est ce que tu dois comprendre. Tant que tu vas pas comprendre ça, ça t'es fatigué. Tant que tu vas pas comprendre ça, tes relations vont échouer. Tant que tu vas pas comprendre ça, tu seras toujours dans des problèmes en fait, frérot. Parce qu'un vrai garçon ne poursuit pas femme. Ouais, un vrai garçon ne poursuit pas femme. À chaque fois qu'un garçon a voulu mettre une femme au-dessus de lui, il a eu des problèmes. Des sérieux problèmes. Il y a des trucs qu'il dit aux gens, ils disent que non, c'est faux. Mais quand ils regardent, il a dit aux gens, à chaque fois que tu as mettre une femme au-dessus de toi, Dieu va te frapper. Les gens pensent que c'est un jeu. Mais regarde l'histoire de la création. C'est quoi? C'est quoi l'histoire de la création? C'est quoi? C'est que Dieu dit à Adam,
ce fruit-là ne mange pas. Tu vois un peu? C'est toi qui es le chef de la maison. C'est vrai que tu es ta femme, mais Dieu te parle à toi. Il te dit ce fruit-là, on ne mange pas. Donc toi, tu es chargé de dire à ta femme que hey, ce fruit-là, on ne mange pas. Et puis toi, ta femme t'envoie le fruit. Et puis elle dit non, on mange. Et puis toi aussi, tu manges. Ça, il dit quoi? C'est dit que tu respectes ta femme que Dieu. Claire. C'est dit que tu respectes ta femme que Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu te frappe. Claire. Ou bien c'est pas ça? C'est ce qui se passe. Laissons ça encore. Allons dans un autre sujet encore. Allons chez Samson. Samson, Dieu te dit non. Hein? Tes cheveux, là. C'est de là que ta force vient. Hein? Faut pas donner ton secret à quelqu'un. Faut pas, ils vont couper tes cheveux. Et puis ta femme te blague. Il faut que tu comprennes qu'elle use de séduction pour avoir ce qu'elle veut de toi. Et puis elle te demande, mais qu'est-ce qu'il faut me dire jusqu'à toi tu sais, tu lui dis. Pourtant Dieu dit, faut pas dire. Et puis quand il dit, on t'attrape. Mais Dieu te frappe. Mais c'est ce qu'il dit de faire. Toi tu dis non. Ta femme dit que c'est ce que ta femme dit. Toi tu dis c'est ça. Ou bien c'est pas ça vrai. C'est ça en fait. Et ça n'a pas de sens. Parce que c'est l'homme qui dirige. C'est l'homme qui dirige. Je m'en fous. Venez me frapper. Je ne vais pas poursuivre une gauche ici. Elle aura laissé faire foutre. Voilà. Donc, si cette vidéo, après ça, tu ne comprends pas. C'est pas fait pour toi, frère. Ne cherche pas à comprendre. Parce que sur la terre ici, tout le monde n'est pas appelé à comprendre. Tout le monde n'est pas appelé à diriger. Voilà, on est ensemble. Tant, si tu veux aujourd'hui, faut pas boire l'eau. Voilà, aujourd'hui, si tu veux, faut pas boire l'eau. Pas boire l'eau, si tu veux. Thank you, my guy. I need you.